Bonjour, nous allons apprendre à écrire les lettres rondes en attaché. Ce sont les lettres qui ont des ronds. A, O, D, Q, C. On commence avec la lettre A. Écoute. La lettre A a les pieds sur terre. Elle ne dépasse jamais l'herbe. Je trace un rond, puis je descends pour tracer une canne à l'envers. Regarde. Écoute et regarde. Je trace un rond, puis je descends sur le même trait pour tracer une canne à l'envers. Nous allons écrire la lettre O. Écoute. La lettre O a les pieds sur terre, elle ne dépasse pas l'herbe. Je trace un rond et en haut du rond, je trace un bec. Regarde. Écoute et regarde. Je trace un rond et en haut du rond, je trace un bec. Nous allons écrire la lettre D. Écoute. La lettre D a les pieds sur terre, elle monte vers le ciel, mais elle s'arrête au milieu du ciel. Je trace un rond, je fais un trait qui monte et qui s'arrête au milieu du ciel. Je descends sur le même trait, bien droit, jusqu'à la ligne marron, et je termine avec une queue. Regarde. Écoute et regarde. Je trace un rond. Puis, je fais un trait qui monte et je m'arrête au milieu du ciel. Puis, je descends bien droit sur le même trait. Je touche la ligne marron et je fais une queue. Maintenant, nous allons écrire la lettre Q. Écoute. La lettre Q va descendre jusqu'à la ligne rouge. Je trace un rond, puis je fais un trait qui descend bien droit jusqu'à la ligne rouge. Regarde. Écoute et regarde. Je trace un rond, puis je descends pour tracer un trait bien droit qui touche la ligne rouge tout en bas. Maintenant, nous terminons avec la lettre C. Écoute. La lettre C a les pieds sur terre, elle ne dépasse jamais l'herbe. Je fais comme si je voulais tracer un rond, mais je ne le termine pas. Regarde. Écoute et regarde. Je commence comme si je voulais tracer un rond, mais je ne le termine pas. Voilà, cette vidéo est terminée. Nous avons appris à écrire les lettres rondes qui ont des ronds. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.